Si vous avez une ou deux questions. Alors, honorable Damaro, première question, vos sentiments par rapport à cette rencontre. La deuxième, est-ce que les partis de la majorité seraient prêts à accepter une éventuelle modification des résultats? Bon, je crois que ce n'est pas l'objet de cette rencontre. Le président de la République, le chef de l'État, le président Sarkozy, a initié une série de rencontres avec les forces vives. Hier, il a rencontré le chef de l'opposition. Aujourd'hui, c'est la majorité présidentielle. Nous avons d'abord recueilli ses conseils, ses recommandations et surtout les informations qu'il nous a données à propos des différentes rencontres qu'il a déjà eues et qu'il va avoir. Maintenant, moi-même, je suis le chef de mission de la majorité au comité de suivi. C'est un cadre de concertation, c'est un cadre de dialogue. Au cours de ce dialogue et dans ce cadre, tous les problèmes qui y sont seront examinés à tête froide et aussi avec le cœur ouvert dans le sens de trouver une solution aux différents problèmes qui se posent à la nation. Des solutions essentiellement, naturellement, politiques. La deuxième question. Sur la modification, est-ce que la mouvance est prête d'accepter une éventuelle modification des résultats? Vous répondez la même question. Le comité de suivi d'Amaro ne décide pas à la place du comité de suivi. Le comité de suivi est un lieu de débat. Le débat aura lieu dans ce cadre. Et s'il y a quelques résultats, vous en serez informé. Est-ce que vous accepterez toutefois il y a un compromis autour? On a toujours fait des compromis. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup.